J'ai dit silence. Bien. Commençons par le garçon. Tourne-toi. Les mains levées. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Tourne-toi. S'il vous plaît, ne me tuez pas. Ferme-la. Debout. Colle ton dos sur le portail. Ferme-la. Suivante. S'il vous plaît. Silence. Suivante. Aïe. Oh yeah. S'il vous plaît. S'il vous plaît, ne me tuez pas. S'il vous plaît, monsieur, ne me tuez pas. Hey. Bien sûr que vous comprenez que c'est très mal de désobéir aux autorités. Vous le savez ça? Oui, monsieur. Vous le savez ça? Oui, monsieur. Est-ce que vous comprenez? Oui, monsieur. À présent, tirez! Je vous salue, mes anciens. Honneur au sol, bienvenue. Depuis le départ douloureux de notre grand roi Ezeka, c'est notre troisième rassemblement. Et c'est moi pour la dernière fois. Quand viendra notre prochain roi? Parle-nous. Et c'est moi. Les dieux ne m'ont pas encore parlé à ce sujet. Ils ont leur raison. Les dieux ont leur raison. Ezemo, le trône du royaume de Kamo est vide depuis longtemps. Notre festival est déjà proche. Et le nouveau roi doit être couronné avant ce festival. Et tu le sais. Hein? Ezemo, tu dois leur faire comprendre à quel point cette affaire est sérieuse. Nous sommes désespérés qu'ils fassent quelque chose, qu'ils se réveillent. Oui, nous sommes désespérés. Nous ne pouvons pas célébrer notre festival sans un roi. Hey, hey, hey! La ferme! Oh, mortel! Comment osez-vous dicter les dieux? Les dieux n'ont pas encore parlé, comme je vous l'ai dit, et c'est tout! Ils vont parler. Les dieux vont parler quand l'heure viendra. Le meilleur fruit tombe toujours en sa saison. Un roi apparaîtra sans doute. Le couronnement aura lieu avant le festival. Aisez-moi, je suis en train de perdre patience. Je voudrais que mon frère ici soit couronné. Le nécessaire doit être fait. Nous ne pouvons pas parler de l'urgence d'un roi quand mon frère est ici. Ce dont nous devons parler, c'est quand aura lieu le couronnement. Ce genre de questions n'ont pas leur place, princesse. Nous parlons là d'un nouveau roi. Et pas du couronnement. Alors que nous ne voyons pas de successeur. Est-ce que j'ai doudé? À ce moment précis, je vous demande de poser vos fesses par terre. Restez tranquille et fermez-la. Vous m'avez entendu? Posez vos fesses par terre, restez tranquille et bouclez-la. Parce qu'il semblerait que vous avez l'air plus sage lorsque vous la bouclez. De quoi est-ce qu'on parle là? On est des hommes ou des rats? De quoi est-ce qu'on parle vraiment là? Ne savons-nous pas ce qu'on doit faire? Je suis là à entendre. Mais de quoi est-ce qu'on parle là? Écoutez, les dieux ne sont pas aveugles.
Dans ce moment, je pense qu'elle est moi en train d'insulter les dieux en disant qu'ils ne lui parlent pas. Nous avons du bon sens. Ezemwan a probablement offensé les dieux et les dieux sont en silence envers lui maintenant. Donc Ezemwan, si tu as offensé les dieux, dis-le-nous afin qu'on puisse te remplacer. On a de la cervelle, merde. Faisons ce qu'il faut. Je suis là, suivant le processus. Mon père s'en est allé pour honorer moi roi, notre festival se tient et tout le monde est content. Exactement. Comment osez-vous? Comment osez-vous me contredire? Êtes-vous les dieux? Êtes-vous celui dont Ezemo parlait? Vous ne pouvez pas chercher quelqu'un d'autre à couronner alors que mon frère est là et en bonne santé. Mes anciens, mon prince, ma princesse, nous n'avons pas besoin de ça. Ezemo a besoin du temps, donnons-lui du temps. Peut-être demain ou avant cela, il pourra parler. Ezemo, les dieux doivent parler. Vos yeux peuvent être ouverts. Pourtant, vous êtes aveugle. Car un cheval aveugle est aussi inutile qu'un paresseux. Ezemo, que les dieux parlent. Si tu as offensé les dieux, fais-le nous savoir. On pourra te remplacer ainsi. Arrête de jouer aux intelligents. Je vois. C'est vous le maître. Vraiment? Oui. Ça, tu peux leur dire. Celui dont on parle. Je vois. Je vois. Oui. Ah, voyez-vous, je suis content de vous entendre dire cela et que vous savez ce que vous dites. Exactement. Les dieux n'ont pas d'autre choix que d'affirmer que vous êtes le roi du royaume du Mukano. Je vois, ça me fait plaisir d'entendre ça. Il y a une chose que cet homme ne comprend pas. Il ne comprend pas que nous ne sommes plus à l'époque de l'âge de la pierre, mais à celui de la technologie. Oui. Et à cette époque de la technologie, ce ne sont que les riches qui gouvernent le pays. J'arrivais sur cet aspect. Vous savez, quand je deviendrai roi. Oui. Je ferai de vous un conseiller particulier. Mon conseiller particulier. Hein? Oui. Hein? Hey! Qui, moi? Oui. Igwe. Oui, c'est ça. C'est toi, Igwe. Igwe. Hey, Igwe. Vous savez, oui. J'aimerais que vous fassiez une chose pour moi. Je voudrais plus de gens de notre côté. Puisque Ezemo est déjà avec nous, je voudrais plus d'aînés. Je vais vous donner 5 millions de naira pour que vous puissiez commencer, juste pour un début, vous savez. 5 millions? Ça sera suffisant, n'est-ce pas? 5 millions? Oui. 5 millions? J'ai dit 5 millions. 5 millions? Oui. Laisse-moi les faire. Attends, relax. Descendons, vous savez, il pleut déjà sûrement. Quelque part. Ah oui. Allons dans mon palais. Hey, Igwe. Je m'en vais vous donner du cash. Igwe. Ezewani Okebo. O caso que eles iam fazer. O que é que eu sonhava o que? Ne vous inquiétez pas, ma reine. Soyez en paix dans votre esprit. Les dieux ont choisi votre fils, Prince Fédé. Ouais. Je le savais. Oui. Oui. Pour succéder à son père, roi Ezeka. Ah. C'est un roi. Oui, tu es le roi. C'est un roi. Ezeka, merci. 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 Ah. Merci. Les gardes vont vous apporter deux énormes béliers.
et la somme de 2 millions de Naira sur votre hôtel. Pour ce message soulageant que vous venez juste de nous dire. Merci. Comme toujours, ma reine. Je suis ravie de savoir que votre cœur a été soulagé. Adjade Bouledi. Anyala Kaoudene. Obunya Anisi. Oui, mes enfants, une fois de plus. Soyez les bienvenus sur les terres de vos pères. Merci, papa. Merci, soyez papa. Les bienvenus. Merci, maman. Papa, étudier à l'étranger, c'est tellement incroyable. Vraiment? Oui, maman. Maman, si un professeur arrive en retard en cours, il ou elle devra payer une amende aux autorités de l'école. Vraiment? Tout à fait. Ah, wow. Elle a tout à fait raison. Ils sont vraiment conscients du temps. C'est la raison pour laquelle je vous ai envoyé là-bas. Merci, papa. Pas de quoi, régalez-vous. Oh, maman, cette nourriture est délicieuse. En fait, je vais manger ce poulet avec les doigts. Vas-y. Oh, je t'en prie. Régale-toi. C'est bien, tu te régales. Au moins ça, tu as la maison, oui, maman. Régale-toi. Je sais comment vous aimez manger. À propos de ce que Princesse disait. Alors, qu'est-ce qu'il en est de toute cette histoire de couronnement, Eto? Elle t'en a déjà parlé? Oui. Je serai bientôt le prochain roi de ce royaume. C'est une bonne nouvelle. Oui. Et je serai la prochaine reine de ce royaume. Papa? Je te le fais. Donc tu veux dire que je serai la prochaine princesse de ce royaume? Oui, ma fille. Oh mon Dieu. Oh, papa. Je suis déjà le prince. Bien sûr. Comme tu l'as dit. Je commencerai à me proclamer comme le prince de ce royaume. Tu peux encore le dire. Bon appétit. Merci, papa. C'est génial. Exactement, c'est vraiment la vérité. Monsieur Koro. Oui, Mazé. La raison pour laquelle je t'appelle ici, c'est pour te faire savoir ce qui arrivera bientôt dans ce royaume. Tu sais que nous sommes dans une ère, une nouvelle ère. Alors nous aurons aussi besoin d'une nouvelle ère de roi. Et nous en avons déjà un. Nous en avons déjà un. S'il te plaît, va au trobu. Chef Ozumba, conteste à devenir le roi de ce royaume. Alors il désire notre soutien. Notre soutien. Afin qu'il devienne roi. Qu'en est-il du prétendu héritier au trône? Ah. Parce que je sais que Ozumba ne l'est pas. Nous savons tous ce qui était arrivé à l'héritier légitime du trône dans ce royaume. Mais à présent, nous avons tous besoin d'une bonne figure. D'une figure influente et bonne qui pourra nous amener à un autre niveau. C'est de ça que nous avons besoin. Hein? Hein? Oui, je m'en souviens, mais pourquoi ne pas laisser les dieux en décider? Les dieux? Hein? Les émaux est juste l'oracle des dieux. Il aura juste à annoncer que Ozumba est celui qui a été choisi en tant que roi. Tu sais quoi? C'est là qu'il voudrait qu'on surveille ses arrières et je voudrais aussi que Dieu fasse pareil en le supportant. On aura beaucoup à gagner en le soutenant. Cet argent, tout ça, c'est pour toi. Tout prends-le. Ça. Oui, c'est juste le début. Maintenant, tu parles. Hein? Voilà que tu parles. Depuis là, tu n'infectes me fatigues avec ton français. Tu sais pourquoi je te donne cet argent? C'est pour que tu comprennes. Maintenant, tu parles. Mets quelque chose. Oui. Non, on dit que l'argent ne fait pas de bruit. C'est en fait par là qu'il fallait commencer.
Désormais, tu seras la princesse de ce royaume. Tu as en face de toi la princesse Jennifer, alias princesse Jenny du royaume de Mokano. Quand je ferai mon apparition, le royaume verra une parfaite et très belle, une charmante princesse raffinée qui a étudié au Royaume-Uni. Ça, c'est ma princesse. Tu peux encore le répéter, bébé. Mesdames et messieurs, garçons et filles, de l'Est, du Nord, de l'Ouest et du Sud, je vous présente la princesse Jenny. C'est trop chaud. Je t'aime, maman. Je t'aime encore plus. Attends. Waouh. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que cela se réalise. Oui, mon amour, je sais. Je te fais confiance. Je suis impatient de présenter la nouvelle princesse du royaume de Mokano. Viens là. Tu es adorable. Oh, s'il te plaît. Admirable. Merci. Vraiment splendide. Oh. Jolie. Non, je dirais plutôt joliment ravissante. Rien que pour toi, bébé. C'est quoi ça? Qu'êtes-vous en train de faire? Ne savez-vous pas que je suis l'honneur de ce royaume? Cher monsieur, bouclez-la. Hé, hey, allez! Vous pensez vraiment qu'on ne le sait pas? Nous faisons juste notre travail. Qui vous a demandé de m'attaquer? Cela ne vous regarde pas. Vous voulez que je vous en mette aux jambes? Allez, venez avec nous. Allez, venez. Allez, suivez-nous, monsieur. Avance! Mon cher monsieur, allez, allez-y plus vite. Allez. Qui est derrière cette attaque? Je suis le honneur de ce royaume. C'est vous, monsieur. Ferme! Ce ne sont pas vos affaires. Monsieur, voici une très bonne eau. Une eau qui guérit. Donc, buvez-la en paix, c'est tout ce qu'on vous demande. Nous voulons que vous soyez en santé. Je n'ai pas soif. Laissez-moi rentrer chez moi. Monsieur, la ferme! Si vous ne buvez pas cette eau, nous allons vous forcer à le faire. Buvez-la! Allez, buvez-la. Si je vide ce flacon, serais-je libre? Oui, bien sûr que vous pourriez passer, voir, monsieur. Buvez d'abord. Buvez-la, c'est tout. Ono Wu. Ha! Gentil Ono Wu. Buvez rapidement cette eau. Allez, mec, dépêche-toi de boire cette eau. Vous voyez, ça fait. C'est très bien, mon pote. C'est très bien. À plus tard, monsieur. Allez, on se voit plus tard. Ono Wu! Vous êtes des gamins. Ah, Ojo. Ah, Adogo. Ifoma. Adogo. La façon dont vous marchez là. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Quel problème? Ne me dis pas que tu n'es pas au courant. Au courant de quoi? Que princesse Mildred aimerait rencontrer toutes les belles filles de ce village. Pourquoi? Prince Ifedi veut se marier. Et je m'estime heureuse, parce que je sais que je serai l'heureuse élue. Tu ne peux pas être plus jolie que moi. Si tu le dis, voyons voir. Chirikwao, attendez. C'est pour ça que vous êtes habillée de cette façon? Juste pour être choisie. Oui, non? Hein? Vous ne venez pas? Non, non. Vous pouvez partir, les filles. Je vous souhaite bonne chance. D'accord, okay, bye bye. Ah, j'ai vraiment hâte. On aura tout vu.
Ukakaname Dijomwe. Hey, ma sœur, je ne vois aucune d'elles gagner cette compétition. Ce sont des paresseuses. Je te dis. Elles ne sont pas sérieuses. Non, mais franchement, hey. Elles ne sont pas sérieuses. Doucement, s'il te plaît. Pardon, on y va. Ma sœur, je t'assure qu'elles ne sont pas sérieuses. Hein? Tourne-toi. Tourne-toi. Vous êtes toutes gelées. Merci, ma princesse. Vous savez, je vais ce qu'il y a de meilleur pour mon unique frère. Le prince qui sera bientôt roi. Alors, je vous prie de rentrer chez vous, de vous faire toute belle, attirante à l'œil. Pour la sélection finale, ok? Oui, ma princesse. Bien. Souvenez-vous, faites-vous belle et attirante à l'œil. Ok? Vous pouvez partir. Nous avons fait exactement ce que vous nous avez dit. Et que s'est-il passé? Pourquoi est-ce que Onoue est-il encore en vie? Je n'ai entendu aucune nouvelle, ni de pleurs, ni de cris. Pourquoi n'est-il pas mort? Que s'est-il passé? Ma princesse, nous lui avons donné l'acide que vous nous avez donné. Et nous nous sommes assurés qu'il puisse finir toute la bouteille en entier. Ma princesse, cet homme est indestructible. Peut-être devrions-nous utiliser d'autres moyens pour éliminer cet homme. Essayons une autre stratégie. Alors, que s'est-il passé? J'ai le pressentiment qu'Ono tentera d'empêcher que mon frère devienne le roi de ce royaume. Prenez ceci. C'est de l'acide. Rassurez-vous, Kono vide tout ceci dans son estomac. Tout à fait, ma princesse.
Vous pouvez entrer. Je l'empêcherai. Je m'assurerai de faire tomber cet homme. Nous sommes sur la même longueur d'onde, ma princesse. Exactement, ma princesse. Laissez-moi. Je t'apprécie vraiment beaucoup, Bou. Je t'aime vraiment beaucoup, tu sais. Wow. Je t'assure. Ah, oh mon Dieu. Ça ne va pas la tête. Ce cheval doit être très stupide. Vous devez être très stupide. Vous voulez nous tuer? Il nous a presque heurté. Peux-tu l'imaginer? Oh, il revient. Ok, revenez. Revenez. Hey. Regardez-le. Vous l'avez imprudemment sur une route large. Vous voulez me tuer? Ou alors vous le vouliez? Peux-tu l'imaginer? Que disiez-vous à propos de ma voiture? Êtes-vous stupide ou quoi? Comment osez-vous faire ça en route? Oh, ou alors voulez-vous gratter ma voiture? Pardon? Pardon? La portière. Ai-je entendu dire pardon? Écoute, Mildred, je... Ah! Comment oses-tu m'appeler par mon nom? Comment oses-tu? N'essaie plus jamais, je dis bien jamais, de répéter cette connerie de toute ta vie. C'est normal qu'il t'appelle pardonnant. Parce que le titre de princesse de Mukano t'a été ôté le jour où le trône s'est vidé. Alors mets-toi bien cela dans la tête. Oh, je vois. Je peux voir que la fille du tout-puissant Onohu a de l'audace, le toupet et le culot de m'appeler par mon nom. Tu auras de mes nouvelles. Tu ne feras rien. Tu ne feras rien. Si tu fais encore n'importe quoi, Ocella, je vais copieusement te bastonner devant tous tes gardes. Vas-y, essaye. Juste essaye et tu verras de tes propres yeux. Espèce d'imbécile. N'importe quoi. Tu auras de mes nouvelles. Garde. Emmenez-moi loin d'ici. Tu vas entendre parler de moi. Pardon, va monter dans ta maudite voiture. Regarde-la, idiote. Allez, dégagez d'ici. Regarde-la, espèce de moins que rien. Espèce de folle, Ouniara. Mildred m'a giflé. Mon amour, écoute, je suis désolée, ok? Pour rien. Mildred m'a giflé. Mon amour, je suis désolée. S'il te plaît, calme-toi. Écoute, ne fais pas attention à ces gens. Ignore-les, s'il te plaît. Mais que leur vont faire? Ce stupide fils se proclame princesse de ce royaume alors que son frère n'est même pas encore roi. Que lui avons-nous fait? Nous n'avons rien fait. Mais donc calme dans notre coin. Arwambaka, c'est une folle. Et calme-toi, ok? Mon amour, tu dois comprendre. Et ce n'est qu'une folle, allez, on y va.
Merci beaucoup, mon amour. Si tu n'avais pas été là, je serais morte en ce moment. Merci. Je te promets de toujours te protéger. Tu es tout ce qui m'importe dans ce village. Je ne te décevrai pas, mon amour. Ok? Merci beaucoup. Merci, mon amour. S'il te plaît, fais-moi une faveur. Qu'est-ce que c'est? S'il te plaît, ne dis à personne ce qui venait de se passer. Parce qu'il ne pourrait ne pas comprendre qu'il veut te tuer. Tu sais que je ne suis pas de ce village. Cela pourrait avoir un effet négatif sur moi. Mais je ne sais pas. Qui l'a envoyé me tuer? Je ne sais pas. Là n'est pas le plus important. Garde ce qui t'est arrivé pour toi-même. Ok, d'accord. Je le ferai. C'est d'accord. Bon. Laisse-moi te ramener chez toi. Cesse de pleurer. Bonjour, chef. Reste assis. Merci. Ah. On ne t'a pas servi quelque chose? Ah non, chef. Pas du tout. Allons-nous mourir de vin? Pourquoi voulais-tu me voir? Chef. Je... chef. C'est à propos du statut de ce... royaume. Je veux dire la royauté. Oui. Il a été porté à ma connaissance que la famille royale et vous êtes dans une sorte de guerre. Que veux-tu dire? Qu'ils n'accepteront pas la décision des dieux ou quoi? Chef, je suis un très bon ami de votre fille. Votre fille et moi sommes de très bons amis. Et cela me ferait plaisir que votre fille acquiert le titre de princesse de ce royaume. Et je voudrais vous faire savoir ceci, chef. Afin d'actualiser vos projets que vous avez de devenir roi de ce royaume, vous devez employer des chiens. Pour vous. Des chiens? Ouais. Je ne sais pas si vous êtes au courant. La reine est une femme très mortelle. Et elle n'hésitera pas à enlever de son chemin quiconque essayera de lui voler sa paix. Et j'ai bien peur. Chef, vous le faites déjà. Bien, mon fils. Je suis le chef Uzomba, Uzo Kanozo, du royaume d'Omokano. Je serai le prochain roi, avec ou sans la reine Nora. Je voudrais comprendre pourquoi la princesse Mildred vient chez moi pour me corrompre, moi, Onohou, pour soutenir son frère afin qu'il devienne roi. Onohou, voyez-vous, c'est la même raison pour laquelle je vous ai appelé. Ok. Onohou, vous pouvez réécrire l'histoire. Vous pouvez changer l'histoire de ce royaume. Vous pouvez marquer l'histoire et refaire votre vie. Du moins, changez votre situation. Soyez explicite, ma reine. Que dites-vous? Onohou, je vous donnerai personnellement 20 millions de naira. C'est une promesse. Je ne vous donnerai pas juste de l'argent, Onohou. Je vous donnerai un très grand duplex meublé pour vous. Et j'y agiterai dessus 5 parcelles de terre, des terres royales, pour vous récompenser, juste pour que vous couronniez mon fils. Qu'en dites-vous, Onohou? «
D'accord, les filles, amusons-nous, ok? Qu'on se marre. Voyez-vous, je suis le prince de ce royaume. Cela a été approuvé. Cela a été écrit. Et cela a été établi. Rien, ni personne ne peut s'opposer à cela. Faites-moi confiance. D'accord? Alors, les filles, je voudrais que vous m'appelez le prince du royaume Omokani. Je veux vous entendre. Le prince du royaume d'Amokano. Allez, je veux encore l'entendre. Le prince du royaume d'Amokano. Et j'adore ça. J'adore ça. Ok, ma puce, va te maquiller. Tu le mérites. Merci. Tu peux encore le dire? Le prince du royaume d'Amokano. Vraiment trop sexy. Trop sexy. Bébé, va te faire une belle coiffure. Merci. Ok, coiffe-toi et reviens encore chercher plus d'argent, d'accord? Merci. J'adore ça. Mon prince. Sexy baby. J'adore donner. Parce que donner me fait grimper. D'accord? Ouais. Allez, bébé. Va te chercher un truc, d'accord? J'adore ça. J'adore ta façon de bouger. Bouge ce que ta mère t'a donné. C'est bon. Va également te faire une bonne coiffure. Merci. Ok. Bien, mesdames. Prenons encore un coup. Ok? J'aimerais que vous buviez. Que vous trinquiez aussi. Pour... Vous savez, en tant que prince, tout marche à merveille. Allez, allons-y. Puissions-nous avoir du bon vin? Écoutez-moi, péter du champagne, c'est ma passion. Et je le faisais en Grande-Bretagne, vous comprenez? J'aime ça. Vous voyez? Péter le champagne est l'une de mes marques déposées. Et ils le savent. Ok? J'ai un ami en Grande-Bretagne. Il s'appelle Ben, un vrai trou du cul. Eh bien, vous comprenez un peu ce que je dis? Il y a quelque chose qu'il m'a fait en Angleterre. Et je vais me rassurer de lui faire payer tout ce qu'il a eu à me faire. Bien, mesdames, mesdames, mesdames. Je vous en prie, la fête est finie. Vous pouvez vaquer à vos occupations. Partez, je vous vois plus tard. Allez-y, allez-y. Et qui sont ces filles pour l'amour du ciel? D'accord. Partez, 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 partez. D'accord. Eh bien, ce qui se passe, c'est que tu t'es incrusté sans invitation pendant que je m'amusais. Eh bien, je te conseillerais de bien vouloir te mêler des choses qui te concernent. D'accord? Je suis le futur prince de ce royaume, alors j'ai le droit, ainsi que le pouvoir d'organiser les fêtes et de m'amuser comme je veux et où je veux. C'est compris? Je comprends ce que ça veut dire. Alors, c'est ainsi que sera notre nouvelle vie au palais, c'est ça? Tu te pavanes avec tes filles, juste parce que tu es le futur prince. Jésus. C'est un mauvais jour aujourd'hui. C'est un mauvais jour aujourd'hui. Eh bien, visiblement, la fête est terminée. S'il te plaît, accorde-moi une faveur. J'ai déjà réglé la note dont tu peux garder la monnaie. Tu sais quoi? Tu me dégoûtes. Je te déteste. Je te déteste. Comme ça, je te dégoûte. Tu me détestes. Donc, tu jettes mon argent. Bien. C'est sans problème. Va brûler en enfer avec ça. Je sais que tu auras certainement besoin d'argent parce que tu auras certainement faim. Donc tu donneras un peu d'argent à ton père. Ah, serveuse, venez chercher cet argent et améliorez votre vie. Naï, laisse-moi te demander. Comment est-ce que je vais appeler ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux comprendre pourquoi il te donne autant d'argent, t'offre des propriétés juste pour que tu couronnes Prince Ifedi, le nouveau roi de ce royaume. Pourquoi? Mais maman, qu'est-ce qu'il y a de difficile? Écoute, papa. Accepte cet argent et tout ce qu'il te donne. Puisque le prince Ifedi doit succéder à son père, et certainement il deviendra roi un jour. Vas-tu te taire? Qu'est-ce que t'en sais, toi? Ne la calcule pas.
Petit perroquet, tu bavardes trop, toujours en train de parler. Cesse de traiter mon ange de tous les noms, d'accord? Laisse-la tranquille. Bah, ne te soucie pas d'eux. Prends cet argent, nous en avons besoin. Neka, si tu dis encore un mot, je vais te frapper avec cette babouche. Calme-toi. Je vais te donner une baffle. Je vais te faire laver cette maison. Je n'accepterai aucune offre. Et qu'aucun d'entre vous n'accepte d'offre de personne. Est-ce que c'est bien clair? Oui, papa. Oui, papa. Mais suis-je fait comprendre? Oui, papa. Maintenant, tu comprends? Naï, nous avons compris. Mais je voudrais toujours savoir pourquoi il t'offre autant d'argent. Parce que je crois bien que cette royauté est toujours dans leur dynastie. C'est leur droit. Alors pourquoi offre-t-il autant d'argent? Pourquoi veulent-ils l'acheter? Notre défunt roi, le roi Ezekiah, n'était pas destiné à régner. Quoi? Hein? Il a régné par accident. C'est un mensonge. Mon amour, mon père l'Onuru de ce royaume a fondu la mèche. C'est pour cela qu'il vole le trône à tout prix. Tu n'es pas sérieuse. Je t'assure. Écoute, ils sont en train de corrompre mon père pour qu'il accepte de couronner le prince Ifedi en tant que prochain roi. Ah. Alors, qui est le véritable héritier du trône? Il ne l'a pas dit. Peut-être il a ses raisons pour cela. Mais tout ce que je sais, c'est que la princesse Mildred et toute sa famille ne sont pas royales par naissance. Oui. C'est difficile à croire. Et tu devrais où? Au prochain jour du marché, Ezemo désignera qui sera le prochain roi du royaume d'Omukano. Oui, ma reine. Oui, majesté. Peu importe qui il choisira, si cette personne n'est pas mon fils, je voudrais que vous protestiez tout cela. En fait, annulez la réunion immédiatement. Eh bien, voici 5000 dollars pour chacun d'entre vous. Wow! Ah, tout le monde. C'est merveilleux, ça. 5000 dollars, c'est énorme. Papa. Autre chose, mes aînés. Si vous réussissez, nous allons prendre en charge l'éducation primaire et secondaire de vos enfants. Sans que vous ne sortiez un sou. C'est merveilleux pour nos enfants. C'est vrai. Et si vous faites encore mieux que ça, ce modeste geste pourrait aller au-delà de vos enfants pour parvenir à vos proches et à vos amis. Waouh! Mais, mon prince, nous sommes solidement derrière vous. Considérez-vous déjà comme notre prochain roi. Oui. Hi. Exactement. Ah! Non, ne me dis pas cela. Tout ce que je dirai dans cette maison restera comme je l'ai dit. Un point, c'est tout. Et comment peux-tu léguer le trône au fils de ton frère alors que ton fils unique est en vie? L'héritier de ce trône, c'est le fils de mon frère. J'ai pris ce trône parce que mon jeune frère est mort, son fils a 3 ans. Il ne peut gouverner ce royaume comme roi. Toi et moi, nous savons. Nous sommes de la royauté, mais ce n'est pas encore le moment pour nous.
et je refuse de faire autrement. Bien. Alors, c'est comme tu veux. Ok. Sky. Oui, ma reine. Assure-toi d'enlever le garçon à son retour d'école. Ne vous en faites pas, ma reine. Et j'aimerais également avoir la confirmation de cette mission. Apporte-moi sa tête. À vos ordres, ma reine. Lorsque la mission sera confirmée, tu auras l'autre part. C'est d'accord, ma reine. Ok. Mon roi, j'ai finalement réalisé que j'avais totalement tort à propos de mes intentions en ce qui concerne le fait de laisser notre fils te succéder au trône. D'accord. Je suis vraiment désolée. Je ferai toujours ce que tu me demandes. Il est vrai que nous n'appartenons pas à ce palais. Lorsque ton neveu atteindra l'âge désiré, il sera couronné roi du royaume d'Umukano. Ça, c'est ma reine. Tu vois? En fait, ce n'est pas bien de se battre pour ce qui ne nous appartient pas. Chaque être humain a été créé pour une raison. Se battre pour ceci provoquera la colère de Dieu. Laissons nos enfants savoir cela. Ok? Nous sommes juste là pour un moment. Notre temps arrivera et on partira tous contents. Je le ferai, mon roi. Merci. Merci, mon roi. Merci. C'est bien, c'est bien. Bravo, c'est du bon boulot. Et qu'en est-il du corps? Il est encore en notre possession, ma reine. Faites que ça ait l'air d'un kidnapping. Tiens ton argent, je te dirai quoi faire après. D'accord, ma reine. Ceci est un terrible sacrilège, mon roi. C'est vraiment triste, en fait. Taï. Arouemé. Abomination. Malheur à ces ritualistes. Ils mourront certainement l'un après l'autre. Mais, mon roi, devons-nous enterrer les restes aujourd'hui? Non, cela ne peut pas être possible. Cela ne peut pas arriver. Oh non. Pourquoi est-ce que sa fille et elle essaieraient-elles de te convaincre? Nous savons tous bien que le véritable héritier au trône est mort il y a des années de cela. Le garçon a été kidnappé et sa tête a été coupée par des ritualistes. Nous avons tous la foi. Il ne manque qu'au Dieu de décider qui gouvernera ce royaume. Pourquoi essaie-t-elle encore de te corrompre?
Ou alors ne crois-tu pas que le véritable héritier au trône est mort ou quoi? Attends-tu une réponse? Oui. Ichiendukwe, que les dieux décident qui sera le prochain roi de ce royaume. Tu dis qu'il revient aux dieux d'en décider? Oui. Eh bien, si tu le dis, alors que les dieux en décident. Où est cette fille? Ujo? Où est passée cette fille que j'appelle mon amie? Sors ici, Ujo! Sors ici, Ujo! Ujo, viens à m'expliquer. Ujo, tu as le courage d'aller au palais. Chercher la princesse, pourquoi? Tu es maintenant intéressée? Quand est-ce que cela a commencé? Pourquoi est-ce que tu cries mon nom comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu es devenue folle? C'est toi qui es devenue folle! Hein? Ujo, c'est toi qui es devenue folle! Ton père est fou, ta mère est folle, tes frères et toi êtes une bande de fous, vous êtes toute une bande de fous. Je peux tout accepter, mais pas que tu insultes toute ma famille dans la maison de mon père. Tu ne peux rien faire. Ne me cherche pas, Ifoma. Ne me cherche pas. Qu'est-ce que tu vas me faire? Tu continues? J'ai dit que tu es une bande de fous, qu'est-ce que tu vas me faire? Hey, qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui vous arrive? Sortir. Est-ce que vous allez m'arrêter ça? C'est la folie qui vous dérange? Arrêtez-moi ça. Hey, arrêtez-moi ça. Qu'est-ce qui vous arrive à toutes les deux? Vous êtes déjà folle? Écoute, hein? Vous bagarrez dans ma concession. Allez-vous m'arrêter ça? Viens. De toutes les façons. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Papa, écoute. Quel papa? Écoute, toi est-ce et que moi. Est-ce que tu vas me l'enfermer? C'est terminé, c'est quand toi, tu veux. Crois-moi, tu auras des nouvelles. Sors de ma concession maintenant. Tu vas te battre, peu importe l'endroit ou le lieu où je vais te voir. Ne repose jamais tes pieds. Et toi, vas-tu l'enfermer et rentrer dans la maison? Je t'ai demandé d'entrer, je ne veux plus rien entendre venant de toi. Que je vois encore tes pieds dans ma concession. Et tu t'es dit que tu as le courage de barrer quand je ne suis pas là. Tu es chanceuse. Tête à toi, reviens ici, tu verras qui je suis. Ma reine, vous savez qu'Onohu est un homme très rigide. Je l'ai rentré dedans pour savoir pourquoi il refuse votre offre. Mais il n'a pas pu me donner une raison valable. Je vois. Je lui ai même rappelé de comment ce garçon avait été décapité afin qu'il puisse faire un pas. Ma reine, je n'ai pas apprécié le regard qu'il m'a fait. Il fallait voir son visage. Et quel était ce regard? Ma reine, je suis certain qu'Onoa a quelqu'un d'autre à l'esprit. Je dois essayer. Je dois essayer pour savoir qui est cette personne. C'est ce que je ferai. Hey! L'élu, tu ne l'es pas. Tu mens. C'est qui cet homme? C'est qui exactement? Et c'est moi, hein? Tu n'es rien d'autre qu'un menteur. Qui es-tu? Il a perdu la tête. Sais-tu de quoi tu parles? Qui es-tu? Comment oses-tu?
Merde, t'as entendu ça? Tu es malade? Comment osez-vous dire de telles sottises de votre stupide bouche? Espèce de dieu fou! Comment osez-vous lever vos sales mains contre votre dieu? Hein? Oh! Quiconque! Quiconque! Ose lever sa main contre son dieu! Ou a l'audace de combattre son dieu! Devrait se préparer! Devrait se préparer à assister à ses propres obsèques! Et vous n'empêcherez pas mon fils de monter sur ce trône! Et je sais... Je peux voir. Toi. Tu te prépares. Toi. Tu te prépares. Mais la chute d'une feuille verte est une mise en garde contre une feuille morte. Nous le verrons. Nous le verrons. Oui. Je le savais. Les dieux sont sages. Les dieux sont sages. Hein? Cette folie qu'ils essaient de nous imposer. Ils l'ignorent. Vraiment. Quand on aura fini avec eux. Ce gamin ne peut pas être mon roi, ce petit garçon. Quelqu'un qui venait juste de rentrer d'outre-mer. Et nous devons laisser qu'une telle personne nous dirige. Et sa mère continue de menacer tout le monde. Et en y réfléchissant, nous devons agir avec prudence parce que sa mère a quelqu'un de très diabolique. Nos salutations, aînée. Ça ne m'effraie pas. Laisse-moi te dire, je ne peux pas succomber à ces menaces stupides. Ça ne m'effraie pas. C'est en fait ça. Oui, mais elle ira s'asseoir. Ce que nous devons faire, rassurons-nous que on doit s'assurer de ne pas laisser cette femme nous gagner à la fin parce que si on n'agit pas avec sagesse, cela ce pourra être difficile. Femme. Ce n'est qu'une femme. Ça ne m'effraie pas, t'assure. Je te dis. Ah. J'ai le pressentiment qu'il y aura une guerre dans ce village. Moi également, ma sœur. As-tu vu la tête que faisaient ces deux aînés? Oui, j'ai remarqué. Je pense qu'une guerre se prépare dans ce palais. Tout ce que je veux, c'est qu'il désigne rapidement le nouveau roi. Ha. Parce que notre festival approche à grands pas. Moi également, ma sœur. Je ne comprends plus ce qui se passe dans ce village. Moi-même, je ne comprends rien ce qui se passe. Oh non. Je suis bien au courant. Qu'en tant qu'Ono, vous avez la capacité et le pouvoir de couronner quiconque les dieux auront choisi comme nouveau roi du royaume de Mokano. Je voudrais... Tel est mon statut. Bien. Je voudrais devenir le prochain roi du royaume de Mokano. J'aimerais que vous veilliez à cela. Je vous donnerai 8 millions de naira cash. Pas le chèque. Mais en cash, vous l'apporterez chez vous. Chief Ozumba, laissez-moi vous décrire quel genre de personne je suis. Chief Ozumba, vous savez, je suis un notable. Je suis un notable, vous le savez, non? Je déteste aller chez les gens à cause des injures en tant que notable que je suis. J'ai juste répondu à votre appel parce que je me disais que vous aviez quelque chose d'important à porter à notre société. C'est ce qui m'a amené ici. Attends. Ono, si je peux me permettre, qu'est-ce qui vous donne le droit
de vous adresser comme ça, mon mari. Alors, le fait de devenir votre roi, n'est-ce pas une contribution assez pour la société, hein? La vérité est devenue une insulte. Chief Ozumba, vous et moi savons très bien que le trône du Mokano n'est pas à vendre. Jamais je ne contesterai qui que ce soit. Excusez-moi. C'est quoi ça? C'est quoi? Peux-tu imaginer? Attends une minute. Attends une minute. Papa, il y a quelque chose qui n'est pas clair là. Qui diable est cet homme qui vient de se retirer comme si tu n'étais personne? Qui c'est ce type? Papa, je vais me charger de cet homme. Papa, fais-moi confiance. Papa, cet homme mérite de recevoir une bonne leçon. Mais qui fait ça? Une très bonne leçon, qui vraiment. Qui diable est-il? Les bêtises. Je dois être roi. Et le monde entier est au courant de cela. Oui, mon mari. Tu dois être roi. Et personne, je répète, et personne ne pourra t'en empêcher. Et moi, je dois être la reine de ce royaume. Personne, je dis personne. Ah. ma chérie, je t'assure, hein, je te le dis encore. Je le jure au nom de Dieu Tout-Puissant. Ma chérie, mon bébé, dis-moi juste ce que tu veux dans cette vie et je le ferai pour toi. Je veux le jet. Un jet? Oui. Oh, oh. J'achèterai le monde entier. J'achèterai le monde entier pour toi. T'es mon amour, tu sais. Tu es mon amour. Ah, mon amour. Hey, comment vas-tu? Toi, entre dans la voiture. Excusez-moi. Voilà, elle a dit excusez-moi. Excusez-moi. Que viens-tu de dire? Eh bon. Allez, vas-y, dis-le-lui encore. Excusez-moi. Voilà. Très bien. Tu viens de t'adresser à moi, là? Je parle à un fantôme. Vous voyez votre vie? Non, vous voyez votre vie? Vous n'êtes pas conscient des bêtises que vous racontez, hein? Vous le rejetez des dieux. Regardez vos pensées qu'on ne connaît pas. On le sait tous. On le sait. Ouais. Continuez de vous pavaner dans tout le village avec cette voiture royale. Cherchons des filles pour les dominer. Oui. Écoutez, vous ne serez jamais notre roi. Allez, dégagez. Attendez, calmez-vous les gars, calmez-vous. Hé, hey, qu'est-ce que tu viens de dire? Répète ce que tu venais de dire. Oh mon Dieu. Approche-toi. Répète ça. Mais rapproche-toi. Répète ce que tu viens de dire. J'ai rien dit. Qu'est-ce que t'as dit? Hein? Vous pouvez être notre roi. Répète ce que t'as dit. Vous pouvez être... Non! Je suis... le roi Ifeidi. Je suis le roi Ifeidi. Je suis le roi Ifeidi.
Était-ce un coup de feu? Qui a tiré ce coup de feu? Il faut que je rentre chez moi. Ezewai, peux-tu nous dire ce que disent les dieux et quand le nouveau roi viendra? Ah, Ono, de quel roi est-ce que vous parlez? Vous n'avez pas l'air de faire référence à mon fils. Je crois que Onowu est encore un homme juste. Il sait de quoi il parle. S'il vous plaît, peut-on laisser Zemoy parler, s'il vous plaît? Nous connaissons déjà notre nouveau roi. C'est le prince Fedi. Jamais. Je ne suis pas d'accord avec vous. Permettez à Zemoy de parler d'abord. Tout le monde est en train de parler. Il y a des gens qui sont en train Kile mwa mwa kuzu wafo. Oro kude meke laru na makuzu wafo ee. Kereke laru na makuzu wafo. Prince Fedi est le nouveau roi. Quoi? Oui. 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 C'est lui. Ah, oui. Oui. Qui est le nouveau roi? 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 C'est lui. Taisez-vous. C'est à cause de cette petite enveloppe. Oubliez ça, je ne peux pas vendre ma conscience. Mais as-tu une conscience? Oh, as-tu une conscience? Vous savoir? As-tu une conscience? Qui est? Allez-vous vous calmer! Voulez-vous savoir qui est le roi? Qui encore? Ce que vous avez mangé en cachette est maintenant visible. Voilà! Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire quoi? Calmez-vous, je vous en prie! S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, mes anciens. Ezewagne, parle! N'kile kane n'klu dodo? N'jile dodo nos. Ala makande do nos. Idose ibi ni yade doma. Mbrede tike mona de dadake amajeken oluwa luko jielu azim lo alu eluko jielu oluwa luko jielu Onowu, tu as 7 jours de marché pour couronner prince Ifedi le roi du royaume de Mukano. Oui, elle a parlé. Ezewai, je vous salue. Mère, je vous salue. Ma sœur, bien sûr, je te salue. Pour ceux qui sont nobles parmi vous, je vous salue. Et pour ceux qui ne le sont pas, bien sûr, je ne suis pas responsable de ce que subiront les chiens lorsque vous parlez. Je vous conseille de laisser vos femmes vous acheter des cerveaux lorsqu'elles vont faire des achats pour vous. Gardienne de notre culture, merci beaucoup. Elle a parlé et nous l'avons entendue. Et nous n'avons aucune justification et aucun droit de contester tout à fait ce qu'elle a dit. Oui, tout à fait. Mon nom, c'est Ifedi. L'élu. Et je serai roi. Tout à fait. N'importe quoi. Papa. Quel genre de personnes confuses sont-ils? Ezemoigne et Ezemoi ne peuvent pas être des personnes aussi confuses dans ce royaume juste comme ça. Je commence à croire à ce que ces prédicateurs ont dit au sujet de nos dieux. Comment pouvons-nous servir un dieu confus? Je laisse juste passer ces bêtises parce que je me dis qu'un jour ils reviendront à la raison et qu'ils finiront par nous dire la vérité. Mais je sais qu'ils ne le feront pas parce qu'ils se sont salis les mains. Ils se sont salis les mains. Mais papa, dis-nous. Qui vas-tu donc couronner comme roi cette fois-ci? Puisque Ezemoi a dit que le prince Ifedi n'est pas l'élu. Et Ezemoi dit le contraire. Échauffe aux Zumba. Je crois que le trône est en compétition. Alors, papa, qui vas-tu couronner, roi? Je couronnerai le véritable héritier au trône.
qui c'est le véritable héritier au trône? Enfin, je vous retrouve. Onohou, je suis venu te dire quelque chose. Onohou, vous avez 7 jours de marché pour me couronner comme roi de ce royaume. Arrêtez de me faire perdre patience par vos agissements. Cessez de mettre à l'épreuve ma capacité de colère. Mon père a dit que vous n'êtes pas le roi. Vous savez ce qui est amusant quand les lions sortent pour parler et qu'une petite chatte de rien du tout sort apparaît pour faire preuve de ressemblance? Ton père aurait aimé que tu n'ouvres pas ta petite sale bouche puante pour m'adresser la parole. Hey, ferme-moi, s'il te plaît. Ah. Onohou, voici mes paroles que j'ai pour vous. Vous avez 7 jours de marché pour me couronner roi de ce royaume. Sinon, vous êtes prévenu. Qu'à Dieu ne plaise, papa écoute, il ne se passera rien. Il ne fait qu'aboyer comme un chien. Il ne se passera rien. Il ne fera rien, papa, il ne se passera rien. Il aboie tout simplement. Papa, regardez-le, peux-tu moi imaginer? J'ai peur, oh. Papa, s'il te plaît, ne lui refuse pas la couronne. Neka, arrête. Ça suffit. Cet homme qui prétend être le nouveau roi ne sera jamais le roi de ce royaume. Exactement, jamais. Il n'osera jamais toucher à mon père. Il se prend pour un dur parce qu'il a les gardes. Ah. Regardez-le. Chut. Il raconte les bêtises, du n'importe quoi. Tu imagines? Non, mais c'est pas vrai. Tu aimes vraiment ce que j'ai acheté pour toi? Bien sûr que... Tu es sûr? Ah, pourquoi raisonnes-tu ainsi? Mais je t'ai dit que oui, quand tu me les as donnés. Hein? Doudou. Donc maintenant, tu me remercies. Ah, est-ce que je te remercie, Marie-Pie? Arrête. Est-ce que je ne le fais tu pas du tout? Tu me remercies, Anja. Toi. Oui, non. Laisse-moi juste tranquille. Ils étaient très beaux. Je les adore. Vraiment? Oui. Je ne savais pas. Merci. Une fois de plus, merci. Je t'en prie. Ah, j'apprécie. Ouais. Oui. Te souviens-tu de ce que je t'avais dit l'autre jour? Je te l'avais dit l'autre jour. Tu te rappelles? Tu sais, tu me dis tellement de choses. Rappelle-moi ça. C'est à propos de ce jeune garçon paresseux, un truc du genre, mais il y a quelque chose d'autre que je ne t'avais pas dit. Ok. Quand? Comment? Il y a tellement de choses que tu m'as déjà dites. Pour l'amour du ciel, j'ai arrêté de prendre tout ce que tu me dis en considération. C'est vrai ça. Mon prince. Bonsoir, mon prince. Ouais, bonjour. Jolie demoiselle, comment vas-tu? Je vais bien, merci mon prince. Ah ouais, ça je peux le voir. Et qui est ce... mâle homo sapiens à tes côtés? Vous voulez dire ouais. C'est mon cousin. Nous attendons justement quelqu'un. Oui. Ok. Tu as perdu la tête? Qui est ton cousin? Mon prince, je suis désolé. C'est ma petite amie. Oui. Mon prince, ne prête pas attention à lui. C'est un comédien. Il est toujours comme ça. Il blague beaucoup. C'est. Oh, silence. C'est un comédien? Oui. Okay, il est effectivement habillé comme un clown. Exactement. Écoute, jolie demoiselle, voulais-tu... Avoir le plaisir de rouler près du prochain roi de ce royaume? Je sais que la réponse est non, alors puis-je avoir... Évidemment, qu'est-ce que tu as vu, mon prince? Très bien. Ifi, pourquoi tu me fais ça? Ifi, ne me fais pas cela. Ifi, pourquoi tu me fais... Ifi, s'il te plaît, Ifi. Calme-toi, d'accord? Il n'y a rien à avoir peur. Ifi. Hey. Tu es cinglé ou quoi? Tu es fou? Non, monsieur. As-tu perdu les boules? Non, monsieur. Maintenant, à genoux. D'accord, monsieur. J'ai dit à genoux. D'accord, monsieur. Lève les mains. Plus haut. D'accord, monsieur. Plus haut. D'accord, j'ai monsieur. J'ai dit plus haut. D'accord. Maintenant, écoute. Oui, monsieur. Vois-tu? Certains sont comme des nuages sombres. D'accord, monsieur. Lorsqu'ils disparaissent, un beau jour fait surface. Oui, monsieur.
Et un nuage sombre pour cette fille. Ok, ok, monsieur. Disparaît pour toujours quand son beau jour est arrivé. D'accord, son monsieur. Son grand jour est arrivé. Son jour rayonnant est arrivé. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Je ne chasse pas, mais je remplace. T'as compris? D'accord, monsieur. Reste loin d'elle. On y va. Bouge. Hey. Bouge, attends. J'ai entendu dire que vous, vous vous révoltez contre moi. Chief Ozumba, Ozokanozo, de devenir le prochain roi. Oui, je me tiens du côté de la vérité. La vérité qui a été enterrée il y a de nombreuses années a refait surface. Et c'est l'homme juste qui connaît la vérité. Aisez-moi, aisez-moi, nous ont trompés, nous les anciens. En nous cachant la vérité. De quelle vérité est-ce que vous parlez? Laissez-moi vous demander. Pouvez-vous combattre celui que les dieux ont choisi pour être roi? Je vous conseille de vous retirer maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Mazi Benemé, je vous donne 15 millions de naira pour me soutenir et dire à tout le royaume que moi, Chief Ozumba, Ozokanozo, serai le prochain roi de ce royaume. Oubliez ce que vous connaissez de la vérité. Je préférerais mourir pour la vérité plutôt que d'accepter cet argent. Parce que les dieux frapperont ma famille et moi si j'acceptais votre argent. Je vous prouverai le contraire. Maintenant, sortez de chez moi. Allez, dehors. Je m'en vais. Mais je vous promets que vous ne serez jamais roi. Jamais. Jamais. Le mal ne se produira pas dans ce village. Je ne peux pas tolérer le mal. Ah! Peux-tu l'imaginer? Non! Ah! Jamais. Je ne supporterai jamais le mal. Jamais. Et vous, comme notre abonnement des soins. Thank you.
On ne bouge plus! Où est-il? Où est-il? Il est où, ce misérable? Homo erectus de chef qui voudrait prendre ce qui m'appartient de droit. Où est-il? C'est ça? Vous êtes ça parce que vous êtes une chose non vivante pour moi. C'est vous qui voulez prendre la couronne de mon père, pas vrai? C'est quoi tout ce cirque? Sommes-nous à la chasse? Pourquoi es-tu là avec tous ces chasseurs? Alors c'est vous, c'est vous. C'est pour vous que Zemo, et Onohu travaillent. Mais laissez-moi vous dire ceci. Vous ne serez jamais, jamais près de cette couronne. Parce que le mot « jamais » doit tenir. Tu vas la fermer, toi, le chien galeux et denté. Toi et moi savons que ta famille et toi n'êtes pas les véritables héritiers de ce trône. Le véritable héritier de ce trône est mort. Il y a longtemps de cela. Alors, qu'est-ce qui te fait penser que moi, Tif, Ozomba, Ozokanozan, ne serait pas le prochain roi de ce royaume? Vous savez, une chose est sûre, on ne peut pas mettre une couronne sur un nuage et espérer un roi. Vous n'avez qu'un seul fils. Toi la ferme! Maintenant tu vas m'écouter, espèce de buffle. Je ne sais pas ce qui te donne l'audace de venir dans la concession de mon père et ouvrir ta sale gueule à lui parler de cette façon. Avec ces guignols qui t'accompagnent. Maintenant, écoute, je vais te dire un truc. Si jamais j'entre et que je ressorte, es-tu encore là? Je vais te montrer ce que c'est qu'un vrai flingue. Et je vais te montrer un peu ce que je fais au trou du cul comme toi en Amérique. Et j'étais bien clair? Tu sais, ce que je vais te dire tout de suite, c'est que je suis très surpris qu'un sac d'idiot a été ouvert et qu'on a laissé ton père et toi sortir. Et je suis également certain de ça. Ton derrière puyon est très jaloux des bêtises puantes qui sortent de ta bouche puante. Pour moi, tu n'existes pas. Tu ne signifies rien pour moi. T'es juste à mon marchepied. C'est là qu'est ta place, toi et ton vaurien de père. D'accord, il n'y a pas de problème. Attends-moi, je vais te donner une bonne leçon. Écoutez-moi. Je vais vous dire ceci. Comme je l'ai dit, vous, c'est votre unique fils, n'est-ce pas? Ouais, je vais offrir sa chair. Oh, chien sans abri, c'est ce que je ferai. Je vous préviens, vous comprenez? Vous êtes prévenus, parce que je connais la moindre chose sur tous vos business. Je connais le frère de votre femme, je connais l'école de votre fille. Oui, je sais qu'elle étudie à l'étranger, mais laissez-moi vous poser cette question. Tu as fait l'université en Angleterre. Tu as étudié génie mécanique. Il vivait à Hornswort Avenue, Nomsey Kings. Ton camarade de classe, Ismaël, d'Égypte. Tunde. Et aussi Abigail. C'est tout sur toi. Parle à ton père mort-vivant parce que ceci n'est rien à mes yeux. J'ai un cadeau pour vous. Attendez. Et vous, restez sur place. Restez sur place. Restez calme. C'est lui. Ton espion, votre mouchard et supporter,
Bien sûr, vous connaissez son nom. Lustetet Tomberon. Si vous vous approchez de ma couronne, parlez à votre mari. Parlez à votre père. Papa, où est ce fils de pute? Où est cet idiot qui pense avoir le monopole de la violence? Qui ose se pointer ici et te parler de la sorte? Je lui montrerai un peu ce que je fais au salaud de son espèce, au Royaume-Uni. Fiston, il est parti. Laisse-le tranquille, ok? Viens à l'intérieur. Je lui aurais donné la leçon. Je sais. Ok, viens juste à l'intérieur. Viens. Toutes ces choses que tu tolères dans ce village doivent s'arrêter. Je suis de retour et je le suis pour de bon. Nous allons nous battre comme à la guerre. Viens aller derrière, viens. On y va. Chargez-vous de son corps. Regarde tes cheveux, ça fait mal. Ah! Perte de temps inutile! Ça, c'est du vrai n'importe quoi! Comment pourrais-je servir un dieu mort, un dieu injuste, un dieu confus, sans m'en rendre compte? J'ai servi ce dieu, j'ai perdu toutes mes années en servant cette connerie. Et rien en retour. Mais Naï, qu'est-il encore arrivé? Désormais, cette maison ne servira plus ce stupide dieu. Nous servirons tous le dieu vivant. Ils ont tué Ben-Aimé. Parce qu'ils se tenaient du côté de la vérité, ils l'ont tué. N'importe quoi. Na... Naï! Naï! Allez-y, les gars! Ne traversez pas! Ne traversez pas! Ne traversez pas la ligne! Tirez! Feu! J'ai dit ne traversez pas! Ne traversez pas! Tirez! Feu! 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 Tirez! Je suis Ifedi. Je suis blindé. Je suis le roi. Alors ce petit est fortifié par sa mère. Je vois. Bien. Prenez quelques hommes et enterrez les corps. Je mènerai la guerre dans ce palais. Oui, boss. Moi, Chief Ozumba, Uzo Kanuzo, j'écraserai quiconque se mettra en travers de mon chemin. Je détruirai quiconque se placera sur mon chemin. Pourquoi vous opposez-vous toujours à ma famille? Pourquoi vous opposez-vous à cette maison royale? Parce que je me place toujours du côté de la vérité. Et quel côté vous semble juste? Le côté de la justice. Ma mère vous offre une somme de 7 millions de naira. Comment osez-vous me corrompre? Un instant, regardez-moi très bien.
Est-ce que j'ai l'air de mendiant? Ai-je l'air d'un affamé d'argent? Vous ne pouvez rien m'offrir. Votre mère a tué notre roi. Et elle pense qu'on ne le sait pas. Elle a tué notre roi à cause de son égoïsme. Mais laissez-moi vous dire, peu importe quoi, vous ne tuerez jamais la vérité. Waouh. Mère, ce vieil homme est brave. Rempli de cran et de courage. Maintenant, dites-moi, comment vous tenez face à la mort et prétendre la vie? Vous voyez le danger? Ou vous pensez être courageux? Vous pensez être courageux en vous tenant en face de ma mère, en l'accusant d'avoir tué votre roi? Vous avez du cran. Vous m'avez vraiment choqué. Vous, vieil homme vulnérable. La présence de ma mère ne vous inspire même pas une petite peur. Ou même vous faire céder à notre offre. Afin de changer votre vie. Il y a des hommes qui meurent dans leur intégrité. Ce sont des hommes de valeur. Jamais je ne tremblerai devant qui que ce soit quand je suis du côté de la vérité. Votre fils, votre frère ne sera jamais roi. Parce que cette famille royale a taché sa main de plein de sang. Alors mon fils ne pourra pas être roi. Vous l'avez dit. D'accord. Mon fils sera roi, espèce d'idiot. Il le sera. Garde, emmène cette chose très loin. Qui êtes-vous et que cherchez-vous? S'il vous plaît, je voudrais voir ma copine, Ify. S'il vous plaît, dis-moi, ça fait 3 jours que je ne dors pas. Mais mon frère, tu n'es pas sérieux. Qu'est-ce que tu fais croire qu'elle est ici? Écoutez, je sors de sa maison et on m'a fait comprendre que le prince l'avait emmenée. S'il vous plaît, aidez-moi, Bikonu. S'il vous plaît, aidez-moi. S'il vous plaît. Ouvrez la porte, s'il vous plaît, aidez-moi. S'il vous plaît, aidez-moi, ouvrez la porte. Mais s'il vous plaît, ouvrez la porte. Oui, qu'est-ce que tu veux? Je veux ma copine. Vous ne pouvez pas la prendre. Rendez-la-moi. Ce n'est pas juste, s'il vous plaît, rendez-la-moi. À Guinée. C'est qui ta copine? Ify, la jeune fille que vous avez portée dans votre voiture hier. Vous ne pouvez pas la prendre. Vous devez la me remettre, vous ne pouvez pas la prendre. Vous ne pouvez pas la prendre. Remettez-moi ma copine. Non. C'est pas toi le clone. Celui qui aurait un lien avec elle, comme elle a dit. Pourquoi venir ici? Pourquoi t'es pas allé chez elle? Ils m'ont dit que vous l'avez portée dans votre voiture hier. C'est pourquoi je suis là. Vous devez me la remettre. Vous ne pouvez pas la voir. Vous ne pouvez pas la voir. T'en es sûr? Oui. Vous ne pouvez pas la voir. C'est ta copine? Ouais. Remettez-la moi. Vous voulez m'oppresser parce que vous êtes le prince. Remettez-la moi. T'as dit que c'est ta copine? Tu veux ta copine? Oui. Bien. Si tu veux ta copine, suis-moi. Hein? Je ne peux pas entrer. Si tu veux ta copine, suis-moi. Allez, viens, suis-moi. Attends. Je vous le dis, vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Dieu va vous punir. Parce que vous êtes le prince, vous me permettez de prendre ma copine. Je vous punira. Je vous punira, je vous le dis, je vous punira. Thank you.
Nki. Waouh, le Nki de ce gars, elle est très bien. Waouh. Il porte même des perles. Ah. Ce genre de chasseur qui porte des perles sur l'une de ses jambes. Mon gars, viens, viens, viens. Relax, relax. Mon gars, viens, 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 viens. Ah. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien, monsieur. Vous le voyez, c'est très abordable. Waouh, votre Nchi allait très bien. Monsieur, jetez un coup d'œil. Combien ça coûte? Ok, monsieur, c'est juste... Je vais juste vous l'offrir à 4000. Eh bien, d'où venez-vous? Et que faites-vous aussi dans les environs? Monsieur, je ne comprends pas. Cela fait-il partie de la négociation, je veux dire, la question? Oh, allez. Ah, laissez tomber, tout va bien. Laissez-moi vous donner 3000. Oh, monsieur, s'il vous plaît. Je l'ai gardé pour 5000. Mais vous savez, envoyer un gentleman comme vous. J'espère que c'est frais. Oui, ah, fraîchement taillé. Ah, ah, ok, je vous donne 3500. Non, monsieur, ce n'est pas possible. Donnez-le-moi 3500. 4000, monsieur. Désolé. C'est bon, mettez-la à la malle. Oh, monsieur, je l'ai mis. 4000. Ok, voici l'argent, même quand vous refusez de me dire d'où vous venez. Bien, même si je ne dis pas aux gens d'où je viens de Omochi Ogo. Omochio. Ce nom m'a l'air très loin de cet endroit, je veux dire, ça ne m'est pas familier. C'est en fait une terre lointaine. Ok, je vois. Cela veut dire que vous êtes un étranger ici. Oui. D'accord, je vous souhaite un bon séjour dans mon royaume. D'accord? Oui, monsieur. Profitez bien de votre séjour. Et prenez soin de vous. Merci beaucoup. Mm-hmm. Merci. Ah, ah, qui est ce gars? Qu'en est-il le signe de ce qu'il porte? C'est un signe de royauté. Et il n'est pas d'ici. Tu dis que le garçon qui t'a vendu, cette viande est bien d'ici? Eh bien, il m'a dit qu'il n'est pas d'ici. Mais littéralement, il vit ici. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est de voir des perles rouges sur sa jambe droite. Il portait des perles rouges sur sa jambe droite? Je vous le dis. Ma reine, si je peux me le permettre, sur quelle jambe étaient les perles et quelle était leur couleur? J'ai rencontré ce jeune homme qui portait des perles rouges sur sa jambe droite. Des perles rouges sur la jambe droite? Ma reine, cela veut dire qu'il est un futur roi de notre royaume. Que voulez-vous dire? Il doit rechercher refuge ici. Peut-être y aurait-il quelqu'un à sa place. Et que voulez-vous dire par futur roi? Ma reine, toute personne portant des perles rouges sur la jambe droite est un futur roi d'un autre royaume. Eh bien, ma reine, je crois que ce qu'il dit en sens, parce que quand je lui ai demandé d'où il vient, il m'a dit qu'il vient d'un endroit qu'on appelle Umutinogo, quelque chose Umutinogo. Comme ça. Oui, c'est ça. Ça ne me semble pas familier. Ma reine, si c'était un prince, les perles lui seraient sur la main droite. Eh bien, je me fiche qu'il soit un futur roi ou pas. C'est le fait qu'il porte des perles qui me trouble l'esprit. Écoutez, je voudrais que vous me trouviez où vit cet homme. Et j'aimerais que vous m'emmeniez sa tête. Coupez-lui la tête et apportez-la moi d'ici demain matin. C'est d'accord, Marine. Marine, est-ce à moi d'apporter sa tête? J'en ai terminé. D'accord, Marine. Chima. Ma reine. Tu peux maintenant avoir ma fille, ok? Tu peux donc profiter d'elle autant que tu voudras. Ça sera ta récompense pour m'avoir apporté une telle information. Alors amuse-toi. On est beaucoup à nos bords. Hola, cholo, bois. Alors amuse-toi, mais fais-le avec précaution. Qui aurait pu croire qu'Ife serait la princesse?
Il fait qu'il n'était même pas présente pendant la compétition. Hein? Regarde, Nono. Regarde-moi. J'ai même fait quelques exercices pour avoir l'air fine aux yeux du prince. Eh oh! Juste pour être attirante. Nous avons quand même échoué. Hein? Seigneur. Je t'assure que je suis vraiment très en colère en ce moment. Je suis vraiment très remontée. Et le pire dans cette histoire, c'est que nous nous sommes battus. Comme si nos vies dépendaient de cette compétition. Et nous avons failli perdre notre amitié. Vraiment. Juste à cause du prince. Hey! Malgré tout ça, nous n'avons même pas été sélectionnés. Ma sœur, oublions tout ça. Allons-y. Ah, s'il te plaît, ne parlons plus de ça. Comment osez-vous montrer votre laid visage dans ce palais? Comment osez-vous? Il y a quelque chose que les gens ignorent à propos des armes. La balle part toujours avant le sang. Abattez-les. Ne bougez pas! Ne bougez pas! Arrêtez! On ne s'arrêtera pas là. Allons-y. Mère, qu'est-ce que cela voulait dire? Ils nous ont attaqués dans notre palais. Ozumba n'est pas un obstacle pour moi. Il venait juste de montrer les limites de son pouvoir. Ozumba. Ozumba. Je vais te rendre une visite. Oh. Oh, allez, fiston. Ignore-le. Restons focalisés. Focalisés sur quoi, mère? Focalisé sur l'étranger. J'ai un grand pressentiment sur sa présence dans ce royaume. Et pour ce qui est d'Ozumba, il ressentira ma fureur le moment venu. Gideofar, j'ai entendu dire que vous êtes l'un des outils valables entre les mains de la reine. Et puis quoi? C'est pourquoi vous m'avez arrêté? Si je le suis, quoi donc? Parce que je voudrais mettre fin à votre mission. Dans vos rêves. Dans vos rêves! Écoutez, peu importe comment vous vous appelez, Ozurumba ou quoi, vous devez arrêter de vous prendre la tête. Vous ne serez jamais le roi de ce royaume. Vous ne serez jamais l'égoué de cette ville. Arrêtez de vous prendre la tête. Que faites-vous? Vous êtes malade. Maintenant, entrez dans la voiture. Tout de suite. Entrez dans la voiture! Venez pas rester. Allez-vous! Ozumba! Entre dans cette voiture! Allez, vas-y, entre!
J'ai été très ravie pour vous. Lorsque j'ai appris que vous étiez la nouvelle leader de l'association des jeunes de ce royaume, j'étais très contente. Gloire soit rendue au Seigneur pour la position. Oui. Et je suppose que vous avez entendu que mon père, votre ancien maître, aimerait devenir le roi de ce royaume. L'autre là, cette nouvelle fait le tour du royaume. Excusez-moi. Tenez. Vous avez là la somme d'un million de naira. C'est tout à vous. Hé hé! Un million de naira? Oui. Tout ça pour moi? Pour vous? Ah, mais c'est trop. Non. Beaucoup d'argent comme ça. Ce n'est rien du tout. Vous avez toujours été loyale envers ma famille. Vous êtes l'une des nôtres. Et je sais que vous aimeriez voir votre ancien maître devenir le roi de ce royaume. J'aimerais le voir devenir le roi de ce royaume. Qu'il le veuille ou pas. Et vous continuerez à travailler au palais en tant que chef des employés. Vous êtes sérieuse? Je serais ravie de le faire. Mais il y a un souci. Onohou, elle a raison pour laquelle cela n'arrive pas. J'aimerais que vous utilisiez votre staff pour lui mettre la pression pour qu'il couronne mon père, le prochain roi, le prochain jour du marché. Écoutez, on dirait que vous ne me connaissez pas. Je le ferai avec plaisir. Je m'assurerai de forcer sa femme de se révolter contre lui. Ça sera un honneur de travailler pour vous une fois de plus. Je vous en prie, ma chère. Je sais que je pourrai toujours vous faire confiance. Merci énormément. Je dois y aller maintenant. Merci. N'oubliez pas. Je vous remercie. Soyez la bienvenue. Je vous en prie. Onohou, tu n'empêcheras pas mon étoile de briller. Je ferai tout ce qui est en mon possible pour qu'elle ne cesse de briller. Ah. Nabil? Oui. Qu'est-ce que t'es venu chercher ici? Ouzou, je suis navré. Hein? S'il te plaît, cette guerre a assez duré. Et tu interprètes tout mal. Je suis désolé, s'il te plaît, mon ami. Nous sommes amis. On part chasser ensemble. Nous faisons des choses ensemble. Mais t'es allé sous mon dos pour tromper ma sœur. C'est un coup en plein visage que tu me fais là. Écoute, ce n'est pas vrai. Nous devons aller quelque part parler. Ah, ok. Peut-on aller chez moi et discuter, s'il te plaît? T'es sérieux? Pour m'empoisonner et avoir l'accès libre pour prendre ma sœur, c'est ça? Quoi? Izuna, je jure au nom d'Amadou. Quoi? Je t'en prie, Nabil, je t'en prie, je t'en prie. Je t'en supplie, ne prononce plus un tel nom dans cette maison, je t'en prie. Nous sommes des repentis. S'il te plaît. Mais Nabil, je t'assure, t'as merdé, mon pote. T'as merdé, mec. Je sais, je suis navré. Ok, j'assume toutes mes responsabilités, je suis navré. Faisons la paix. Tu es mon ami. D'accord, c'est bon. Je viendrai chez toi, mais à une condition. Ok, dis-le, je le ferai. Ah. T'as encore de la viande, Bruce? Tu dois être stupide. T'assure, Nabil, je t'assure. Écoute, si t'as pas de la viande, je rentre. Allons-y. T'as entendu, je rentre chez moi. Je suis sérieux. Prézi, non, bienvenue chez moi. Merci. Bienvenue. Ne veux-tu pas quelque chose, même de la cola, de l'eau, n'importe quoi? Vous pouvez garder votre cola. Je ne suis pas venue ici pour m'amuser. Nous ne sommes pas du tout contentes. Nous, les femmes, nous ne le sommes pas. Mais, pourquoi? Pourquoi, Prézi, s'il te plaît, pourquoi? Pourquoi votre mari, Onohou, n'accepte-t-il pas le verdict des dieux? Chef Uzumba doit être couronné le roi de ce royaume. Nous, les femmes leaders, et toutes les femmes de ce royaume gracieux, par solidarité, avons accepté le chef Uzumba comme le prochain roi. Dites à votre mari de ne pas provoquer les femmes. Ou alors, nous sortirons nus en guise de protection contre lui.
Mary Jane, on n'est pas arrivé à ce niveau, s'il te plaît. Ne parle pas comme ça, s'il te plaît. C'est encore plus grave. Dites-lui ce que je vous ai dit. Chef Uzumba, ou personne d'autre. Mon leader, vous allez sortir et protester contre mon mari, Dieu m'en préserve. C'est vraiment très grave, je vous aurais prévenu. Ce ne sont pas mes affaires, je vous ai passé le message. Mon leader. Hey! J'espère que tu aimes le pépé soupe. Bien sûr. Elle est bien fraîche. J'espère que tu ne l'as pas empoisonnée, hein. Empoisonné quoi? Mais la soupe, bien sûr. Tu penses vraiment que j'ai mis du poison? Hein? Si vraiment j'utilisais du poison, je n'utiliserais pas pour toi. Tu veux dire que m'empoisonner, c'est une perte de poison? Une perte? écoute, Zuna. Je veux être très, très clair avec toi. D'accord. Pour la dernière fois. J'aime ta sœur. Oui, j'aime beaucoup ta sœur. Je ne peux pas lui faire du mal, crois-moi. Et nous sommes très platoniques par rapport à ça. Adam, c'est pour ça que tu m'as donné cette soupe avec de la bière, c'est ça? Non. Non. C'est bon, laisse tomber, je te crois. Et je te fais confiance. T'es pas sérieux? Ouais, je suis sérieux. Attends, c'est pas moi qui va épouser ma sœur quand même. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Attends, Amishi. Pourquoi est-ce que tu fais cette tête? Est-ce que tout va bien? Qu'est-ce qu'il y a? Parle, on t'écoute. Pourquoi n'es-tu pas allé au palais comme promis? Oh. Au palais? Tu m'as pourtant promis qu'on ira au palais. Attends. Au palais? Pourquoi? Oui, Ozuna. Tu n'as pas été avec nous pendant un moment maintenant. La nouvelle pathétique est que le prince Ifedi lui a arraché Ifi. Quoi? Ouais. Ifi? Comment ça? On sait tous qu'Ifi aime beaucoup Amiti. Mais comment ça s'est passé? Tu vois maintenant? Même les dieux savent que nous sommes faits pour être ensemble. Oh. J'arrive vraiment pas à y croire. Attends. J'arrive pas à y croire. Tu vas venir où? Tu veux t'évanouir chez moi? Non. J'aurais cru qu'Ifi les serrait à Miti, les tourtereaux de l'amour. Oh. Vous voyez? Amishi, ne t'en fais pas. Je vais y aller, donne-moi un peu de temps. Ok? Détends-toi. Je te donne un peu de temps. Juste un peu de temps. Le retard est dangereux. Vraiment très très dangereux. Parce qu'en ce moment, leur amour doit être plus fort. Tu dois faire quelque chose. Fais quelque chose. À quoi servent les amis? C'est pas possible. Non, c'est bon. Calme-toi, mon frère. J'arrive pas à y croire. Assieds-toi. Comment c'est possible qu'Ifi, que nous tous nous connaissons, elle était avec toi? Assieds-toi, allez. Calme-toi. Calme-toi. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu fais tout ça. À quoi servent donc les amis? Tourtereau. J'irai là-bas. J'irai au palais. Oh, l'amour a des choses. Je me prépare, mon ami. Tu te rends compte? Chima, quel genre d'homme est-ce que tu es? Pourquoi est-ce que tu m'as emmené ici? Ça veut dire quoi toutes ces bêtises? Chima, je peux voir que tu ne sais pas contrôler ta libido et que tu ne sais pas être sérieux pour une fois dans ta vie. Assez! Ferme ta sale gueule! Tu ne comprends rien de ce qui se passe. Je viens de te sauver la vie. Tu m'as sauvé la vie en m'emmenant ici? Chima, tu dois être très drôle. Ça c'est quelque chose que tu ne comprendras jamais. Il n'y avait aucune réunion de femmes. Il n'y avait rien comme groupe de femmes cherchant à te rencontrer. Tout ce que tu as entendu au téléphone était juste un plan pour t'assassiner. Quoi? Mais...
Mais je... j'ai reçu un appel d'une demoiselle qui s'identifiait comme étant Chima. Oh, Dieu. La présidente de l'association des jeunes de ce royaume. C'est tout faux. L'appel était truqué. Je viens te sauver. Voyez-vous ce que vous avez causé en n'éliminant pas cette fille? Ma princesse? Je me dois de vous dire qu'il y a un espion dans ce palais. Que voulez-vous dire? Quelqu'un doit lui avoir parlé de votre plan. Ma princesse, êtes-vous sûre de n'avoir pas dévoilé ce plan à quelqu'un? Au palais? Parce que ce plan, il n'aurait jamais pu échouer, alors là, jamais échoué, s'il n'y avait pas d'intrus dans cette histoire. Ma princesse, il y a autre chose? Oh non! Oh non! Ah! Oh non! Qu'est-ce que tu veux? Une maison? Une voiture? De l'argent? Je vais te la donner. J'aimerais que tu fasses de moi le prochain prince que je voudrais être. Je voudrais être le véritable prince. Oh non. J'aimerais que vous couronniez mon père comme prochain roi, afin que je puisse le devenir après mon père. Oh non, je ferai que votre vie soit très confortable. Lorsque l'argent parle, tout le monde s'aligne. Oh non, j'ai besoin de ce pouvoir. Je veux le véritable pouvoir. Et toi, tu vas me le donner. Tu as terminé? Ah, il me demande si j'ai fini. Il me demande si j'ai fini. Jamais je ne finirai. Oh oui, je ne pourrai finir. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez ce qui me revient de droit. Oh non. Je peux rendre votre vie confortable. Je peux rendre ta maison très confortable. Oh non. J'essaie d'être très patient. Et j'apprécierais vraiment que vous ne me laissiez pas du tout appliquer la force à ça, afin qu'on puisse très bien se comprendre. Sors de chez moi. Excuse-moi. Fous le camp chez moi tout de suite. Ah. Je pense que j'ai été très patient avec toi. Et je pense aussi que tu n'as pas du tout entendu ce que je t'ai dit. Tu me demandes de partir de chez toi. Très bien. Je vais partir. Mais je reviendrai. Va en enfer avec tout ton argent. Et en sortant,
ramasse tout ton argent et sors de chez moi tout de suite. Je reviendrai spécialement pour toi. Je te demande simplement d'aller à l'encontre de ce que veut ton père. Donne-lui des raisons de couronner prince Ifeji, mon ami, en tant que roi, au lieu de chef Uzumba. Tu m'as également dit que tu avais un faible pour moi, n'est-ce pas? Je n'ai pas juste un faible pour toi. Je suis amoureux de toi. Et j'aimerais t'épouser. Mais si tu arrivais à convaincre ton père de faire cela, je veux dire, ça faciliterait nos projets de mariage. Waouh, vraiment? Mais si je peux me permettre, quel est le lien que tu as avec la maison royale? Tu sais, c'est l'une des choses que j'aime chez toi. Tu es sage et intelligente. Tu es juste tout ce que doit être une femme. Écoute, le prince Ifeji était un ami d'enfance et nous avions souvent fait deux ou trois choses ensemble, comme cache-cache, durant notre enfance. Alors ça me ferait plaisir de voir mon ami devenir roi. Écoute, j'ai quelque chose pour toi. C'est pour toi. Wow. Pour moi? Merci beaucoup. Je suis sûr que t'es contente. Très contente. Écoute, c'est très simple. Convainc juste ton père de couronner roi, le prince Ifeji, tu vois. Et il y en aura plus. Et si ton père veut s'endetter, tu peux le menacer de te suicider. Tu sais comment il t'aime. Il ferait tout pour toi. T'inquiète pas, je le ferai pour toi. Je t'aime. Viens là. Alors, ma reine, la fille d'Ono a accepté de convaincre son père à propos de ça. Bien. Mais je crois qu'elle sera capable de convaincre son père parce que je sais que son père l'aime beaucoup. J'ai entendu ça. Chima. Ma princesse. Où étais-tu avant-hier? Oui, j'allais oublier. J'étais avec ma mère à la capitale, je crois t'en avoir parlé au téléphone. Oh, oui, tu m'en as parlé. Ouais, je t'en ai parlé au téléphone, j'étais avec ma mère et je devais remettre en ordre une ou deux choses pour elle. Tu sais, Chima, tu as été un ami loyal et très respectable pour cette famille. Ça, tu peux le dire encore. Et tu sais, tu es la personne avec qui je partage mes secrets les plus profonds pour ce que nous avons en commun. Ma princesse, tu as tout à fait raison. Je veux dire, pourquoi cette question? Tu venais de me mentir. Comment j'ai menti? Tu as dévoilé mon plan à Jennifer. Je suis désolé. Je suis désolé que ça tourne ainsi, mais ce n'est pas.
À l'aide. Que je t'aide? Tu veux que les mêmes gens que tu as trahis t'aident? Je t'ai empoisonné. Ton aide est en enfer. Quand tu seras en enfer, dis au diable que tu as trahi un ange comme moi. Ils l'ont tué parce qu'il était mon informateur. Mais je m'assurerai qu'il paie cher pour ça. Jeff, ça devient déjà très sanglant. Hein? Pourquoi ne pas vous réconcilier? Jamais. Chaque bataille doit prévoir son champion. Je ne m'arrêterai pas jusqu'à ce que la couronne soit sur ma tête. Ils ont tué mon bébé. C'est bon, calme-toi, ça va aller. Calme-toi, c'est bon, c'est bon. Jeff. Que s'est-il passé? Que fais-tu avec une arme? Papa, cet idiot qui se fait appeler Prince m'a attaqué avec ses chiens. Mais je leur ai montré la vie occidentale. Hein? Je lui ai un peu montré ce que je fais au fils de pute comme lui. Je t'ai demandé de marcher avec des chiens. Que s'est-il passé? Papa, je n'ai pas besoin de chiens. Je suis moi-même un chien. Je suis la véritable définition du mot chien. Fiston, tu dois écouter ton père. Hein? Jeff. Jeff, je ne suis plus à l'aise avec tout ce qui se passe. Je ne suis plus à l'aise avec ça. Il n'arrivera rien à ma famille. Ah, rien n'arrivera, rien n'arrivera. Est-ce que c'est compris? Je suis le chef Ozomba. Uzo Kanozo. Je suis le prochain roi de ce royaume. Jeff. Personne ne se tiendra sur mon chemin. Nous devons rester en vie afin que tu deviennes papa, roi. Papa, tu n'es pas juste le prochain roi de ce royaume, mais le roi légitime de ce royaume. Tu es le tout-puissant roi de ce royaume. Et nous allons nous battre pour cela. Et nous y mourrons si cela est nécessaire. Personne ne mourra. Tu as entendu ça? Personne ne mourra. Ha. Ça, c'est mon fils. C'est le même sang qui bouillonne dans nos veines. Jeff. Jeff, attends, non? Où est-ce que tu vas? Ma reine? Oui, garde. Nabi est là pour vous voir. Oh, waouh! On a biffé. Faites l'entrée. Faites l'entrée, il est inoffensif. D'accord, ma reine. Dépêchez-vous. Il est venu me voir au palais. Ah, alors, il fait comme il s'est fait. Hey! Arrête ça! Comment venais-tu de m'appeler? Désolé, reine Ifi. Bien. Alors, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas pris de la viande de brousse en chemin? Eh bien, je ne suis pas allé à la chasse depuis un bon moment. Ok. Eh bien, dis-moi ce qui t'amène au palais. Qu'est-ce que tu veux me dire? Siamechi. Vois-tu, depuis que tu l'as laissé, il est tellement déprimé. S'il te plaît, Ifi. Désolé. Reine Ifi. S'il te plaît, passe-moi le voir. Oh, s'il te plaît, arrête. Arrête ça, Nabifé. Arrête ça, s'il te plaît. Écoute, j'appartiens au prince maintenant et non plus à lui. Ne peux-tu pas le voir? Ce sont les dieux qui l'ont voulu ainsi. Et moi, je ne peux rien faire par rapport à ça. Mais... Il n'y a pas de mais. J'en ai terminé avec toi. Oh. Ok. Je lui dirai ce que tu as dit. C'est d'accord, tu peux t'en aller maintenant. Merci. Ouais.
Onohu, il semblerait que c'est toi qui tourmentes notre royaume. L'échec de ce royaume est à la porte. Et vous n'avez commencé aucune préparatif pour couronner notre prochain roi, le prince Ifedi. Oui. Onohu, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez, Onohu? Qu'est-ce que vous attendez, Onohu? Onohu, nous, les jeunes de ce royaume, sommes en colère. Oui. Nous sommes très, très en colère. Oui. Et nous vous donnons 3 jours. On a dit 3 jours. Pour commencer les préparatifs du couronnement de notre prince, le prince Ifedi. Ou alors, Onohu, où nous allons brûler cette maison. Nous sommes vraiment décidés. Nous allons brûler cette maison, Onohu. Et il est temps que tu décides. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Allez, rentrons. Zobu, Zobu. Eliba, Eli. Zobu, Eliba, Eli. 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 Zobu, Zobu. Papa, ça devient sérieux. Ça devient incontrôlable. Biko, nono. Hey. Il était là. Qui était là? Vous avez été trompé il y a quelques années. Par qui? Venez. Venez voir comment vous avez été trompé. Mère, qu'est-ce que tu vois? Ezewai, vous savez que je suis humaine. Je ne peux pas voir ce que vous voyez. S'il vous plaît, regardez et faites-nous part de ce que vous voyez. J'ai vu un homme. Qui ressemblait comme 2 gouttes d'eau au véritable héritier au trône. Quoi? Il a décapité la mauvaise personne. En venant au palais aujourd'hui, j'ai vu Nabié. Cet étranger? Oui. Ce n'est pas un étranger. C'est le roi. Le véritable héritier au trône. Il était ici aujourd'hui. Qui est Ifi? Trouvez-la rapidement. Adjale et Gouredi. Et où? Ah ah. T'as sommet. Vas-y. Avance. Ifi.
Oui, Ezewai. Qui t'a rendu visite aujourd'hui? Parle! Qui est Ezewani? Nabié. Il était là aujourd'hui. Il était ici? Qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Il est venu essayer de me convaincre de sortir avec son ami Amechi. Mais j'ai refusé et je lui ai demandé de partir. Laisse-nous. Oui, Ezewani. Ah. C'est une chose qu'on ne sait. Dont personne n'est au courant. Raison pour laquelle il agit étrangement. Il sait que le garçon est en vie. Il veille sur lui tout le temps. Et le protège. Alors, Ezewai, qu'allons-nous faire maintenant? Je veux que mon fils soit couronné roi. Alors le garçon doit mourir. Onowu doit mourir. Ça, c'est le seul moyen de garder la vérité. Il s'est montré au trône. Et cela réveillera l'esprit des ancêtres. Tu dois agir pour une fois. Comme ça, Onowu est au courant de ça. Mais nous avons tous vu le corps du petit garçon. C'était le portrait craché du gamin, pas lui. N'as-tu pas entendu ce que la reine vient de dire? Pas étonnant qu'Onowu garde le silence. Tu as clairement entendu que l'héritier au trône est encore en vie. Onowu savait en effet ce qu'il faisait. Alors il doit être éliminé immédiatement, avant qu'il ne dise à tout le monde dans le royaume la vérité à propos du véritable héritier du trône. Et je voudrais que mon fils soit couronné roi dans les deux jours prochains. Oh non. Oh non. Oh non. Laisse ce que tu fais et va jouer. Amène-le avec toi dans ton village. Je serai avec vous car la reine a planifié de lui ôter la vie. Pars tout de suite. Pars tout de suite. Pars tout de suite. Aller chez lui, les chercher. Les chercher chez lui. Ils veulent le tuer. Ils veulent le tuer. Nabibé. Qui est là? Nabibé. Qui est là? Naï, c'est toi? Nous partons d'ici maintenant, il n'y a pas de temps à perdre. Naï, pourquoi?
Pourquoi devrais-je quitter ma maison? Tu poses beaucoup de questions. Ta vie est en danger. Partons d'ici, je t'expliquerai plus tard. Je t'explique tout en chemin. Nabihé, allez sort. Nabihé. Ah! Pourquoi est-ce que tu es là? Qu'est-ce que tu es venu faire? Nous sommes là pour la même mission. Ne me distrais pas. Tu sais que nous avons encore des choses à régler. Où l'as-tu amené? Je n'ai pas le temps de répondre aux questions stupides. Pas le temps de répondre aux questions stupides. Je ne m'arrêterai pas tant que je ne l'aurai pas tué. Personne ne pourra m'arrêter. Je suis éloigné de cette rivière. Je te tuerai. Alors vous dites que je suis un roi? Oui. Et ce royaume est mon véritable chez moi? Oui. Tu es un roi. Le roi de ce royaume. Ton père était un roi. Quand tu avais 3 ans, ton père et la reine sont tous les deux morts. Quand ton père est mort, ton oncle Ezeka est devenu roi. En attendant que tu deviennes un homme comme le veulent les coutumes. Lorsque le roi est mort, la reine a cherché à te tuer. Parce qu'elle voulait que son fils hérite du trône. Cette année en particulier, une voix m'a parlé. Je suis allé te prendre et je t'ai amené très loin chez ma sœur. C'est là que tu as vécu. Elle s'appelle Nwonyi, celle que tu appelles grand-mère. Êtes-vous en train de dire qu'elle n'est pas ma grand-mère? Elle ne l'est pas. Elle est ma sœur. Son mari l'a chassée du foyer parce qu'elle n'a pas eu d'enfant. C'est elle qui t'a mis ses perles autour du pied. Et cela prouve que tu es de la famille royale. Après 7 ans, elle est morte. Depuis lors, je t'observe. J'ai été ton gardien jusqu'à présent. Tu es le roi. Je crois que je me souviens d'elle. Non. Et non. Pourquoi me dites-vous tout cela maintenant? C'est le moment de te couronner roi de ce royaume. Je crois que ces voix qui me parlent sont des voix des prédicateurs qui m'évangélisaient. Dans le moment est venu de te couronner roi.
Allons-y. Tu seras le roi. Vous avez dit que vous ne mangez rien. Vous n'avez non, pas monsieur. Du tout soif. Pas du non, tout, merci, monsieur. Nous sommes déjà des amis. Vous venez ici constamment me prêcher. Je pense que cela fait de nous des amis. Vous pouvez manger et boire. Vous êtes libre. Ne c'est vous bon, en faites monsieur. Pas, monsieur. Nous sommes reconnaissants de la façon dont vous nous accueillez lorsque nous venons ici. Oui, monsieur. Et nous devons continuer de vous prêcher le salut de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, Jésus-Christ est mort sur la croix du calvaire pour nos péchés. Et il nous a donné la liberté de venir à lui comme ses fils et ses filles. Un instant. Qui est même ce Dieu pour qui vous avez autant d'estime? Qui est ce Dieu, votre Dieu-là? Vous parlez de lui avec tant de respect. Hein? Monsieur. Vous lui faites tant confiance. Monsieur, ceci vous aidera à mieux le connaître. Tout ce que vous avez à faire, c'est de le lire quotidiennement. Ça vous donnera plus de connaissances concernant le Dieu que nous prêchons. Vous savez, il est dit qu'il est le créateur du ciel et de la terre. À l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme. Ce n'est pas comme ces idoles et ces images taillées que vous dédiez et vous adorez. Il est très différent de tous ces images taillées. Ce livre. Juste un livre. Ok. Mais je pense que les dieux que je sers, pour le moment, sont assez pour moi. Monsieur, je crois avec beaucoup de fermeté que lorsque vous allez commencer à parcourir ce livre, vous serez davantage convaincu. Vous aurez davantage de conviction pour accepter le Dieu que nous servons. Au nom de Jésus-Christ, monsieur. Ok. Ok, oh. Merci. Nous devons partir maintenant. D'accord. Ce fut un plaisir. Ok, vous monsieur. Vous pouvez toujours venir. D'accord. Quand vous, d'accord. Êtes, quand vous êtes libre, vous pouvez venir. Merci, sans monsieur. Souci. Nous sommes désormais des amis. Merci, monsieur. Monsieur. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, monsieur. J'ai commencé à étudier la Bible, mais sans être dévoué. Je comprenais tout. Mais je croyais beaucoup au Dieu de nos ancêtres jusqu'à ce jour où Amadioha m'a déçu. À travers ses deux serviteurs, Ezemo et Ezemwai, ils savaient que tu n'étais pas mort. Mais ils ont décidé de se joindre aux mauvaises personnes. Nora et Ozumba. Hmm? Donc vous voulez dire que je suis le véritable héritier du trône? Oui, c'est toi. Je te l'ai caché parce que j'attendais la voix de Dieu. Maintenant, c'est le moment. Prends le garçon et partez au royaume de Mézé. Laisse-le là-bas et retourne dans ton royaume. Et attends mes instructions. Allons-y. Allez où? Omozekinma, allons-y. Non, c'est un village lointain. Il pourrait nous arriver quelque chose. Dieu est avec nous. Allons-y. Aisez-moi. Encore toi? Encore toi? Aisez-moi. Tu veux que ton parti devienne roi? Pourquoi fais-tu du commerce dans la vallée de la mort? La dernière fois que tu m'as affronté, je suis resté tranquille. Je suis resté tranquille. Cette fois-ci, tu ne t'en sortiras pas, Tuto. Anya la kaudene. Upona ya nesi. Ntosobi ibakani ya ne duoma.
Je sers le Dieu vivant, le Dieu de la vérité et de la justice. Le moment est venu pour que vous vous répentiez, ou bien vous subirez la colère de Dieu. Fermez-la. Fermez-la, espèce de vieux fou. Vous avez été appelé ici pour commencer la procédure nécessaire, pour couronner mon frère roi de ce royaume, et pas de venir là pour nous prêcher un Dieu que nous ne connaissons pas. Vous me traitez de fou? Oui. Que je suis fou? Oui. Par le pouvoir qui m'a été conféré en tant que l'honneur de ce royaume, je déclare ta mère, ton frère le prince Ifedi, et toi, de vous préparer. Car il est grand temps de vous évacuer de ce palais. Votre temps a expiré. Comme nous pouvons le constater, faisons face à la réalité. L'héritier de ce trône n'est pas mort, mais en vie. Foutaise! Ichiuka! Il n'y a pas d'autre héritier au trône que le prince Ifedi. Oui! Je ne suis pas d'accord avec vous. Le prince Ifedi n'est pas notre nouveau roi. S'il vous plaît, mes aînés, soyons très, très clairs à propos de ça. Faisons face à la vérité. Voyez-vous, Onowu a déjà parlé et nous devons nous tenir de son côté. Au lieu de s'amuser avec la fureur des dieux, nous savons tous que Ichie Ibeneme est mort. Ichie Odouzie est mort. Même Ichie Jideofor est mort. Voyez comment des hommes mûrs meurent comme des mouches. Alors, tournons-nous du côté de Nouwu, afin que nous puissions faire ces... Assez! Vous avez, vous tous, alors comme ça, vous avez le cran. Et vous, Onowu, quelle audace et quel culot. Vous avez l'audace de vous tenir devant moi, la reine de ce royaume, de demander à mes enfants et moi de quitter le palais. Et vous, Mazeoka. Ma reine, avec tout le respect, je voulais juste... Ma reine, attendez, s'il vous plaît. Je voulais juste... La ferme. Je n'ai pas peur de toi. Tu ne me fais pas du tout peur. Le moment est arrivé d'évacuer ce palais. Votre temps a expiré. Vous êtes le roi de ce royaume. N'ayez pas peur. Ce n'est pas le moment d'échouer. C'est compris? Ndoudé doit mourir. Mais d'abord, Onowu doit tomber cette fois-ci. Onowu doit mourir. Écoute-moi bien. Parce que si nous réussissons à le faire mourir, il n'y aura certainement pas de couronnement. Hé hey! Où est-ce que tu vas? N'est-ce pas clair que je suis en train de quitter le palais? Je n'appartiens pas à cet endroit. Onowu a ordonné à ta famille et toi de quitter le palais. Alors je ne vois pas mon importance ici. Alors... Toi aussi tu veux me trahir, c'est ça? Écoute, prince Ifedi, je vais être honnête avec toi maintenant. Je regrette vraiment ce jour où je suis entrée dans ta voiture. Je regrette également de t'avoir menti. Comme tu peux le voir, ça ne sert à rien de rester là. Ça ne sert à rien, tu dis, hein? Pardon?
Excuse-moi. Prince Ifedi, Prince Ifedi, demande-lui de me déposer. Lâche-moi! Tu vas me déposer? Tu vas me déposer maintenant? Approche. J'ai dit approche. Tu travailles pour elle ou tu travailles pour moi? Je suis désolée. Parle. Je travaille pour vous. Pour vous, pour vous. Tu travailles pour moi? Oui, monsieur, je... t'as quand même pris son sac. Pourquoi? Je suis désolée, monsieur. À genoux. À genoux. Tu as pris son sac. Je suis désolée, monsieur. Je ne savais pas. Tu as pris son sac. Je suis désolée, monsieur. Lève les mains. Je reviendrai pour toi. Je reviendrai pour toi. Laisse-moi tranquille. Ha. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi partir. Dis-lui de me laisser partir. Qu'est-ce que t'as dit? Dis-lui de me détacher. Tu sais pourquoi? Tu me plais? Parce que je sais que je n'ai jamais utilisé le mot amour avec toi. Tu es brave. Ce n'est qu'une brave femme qui sortirait avec quelqu'un comme moi. Alors, je vais te rafraîchir la mémoire. Tu te souviens d'avoir dit que... Kono a dit que je m'en aille, que tu ne m'es plus d'aucune utilité. T'as dit ça, hein? Alors, ma chérie, je vais te faire l'honneur. Je vais te faire cet honneur. L'honneur de faire un choix. Je ne respecte que les gens qui me respectent. Je n'utilise pas, je remplace. Donc... je te ferai cet honneur. Qu'est-ce que tu es en train de vouloir faire? Ton genou. Ou ton cou. Genou. Ou cou. Tu veux me tuer? Vas-y. Non, vas-y, tire. Je te l'avais dit. Cette fille n'a aucune crainte. Et tu sais? Et on ne tire pas sur ce genre de personnes. Jamais on ne tire sur de telles personnes. Montre-leur de l'amour. Montre-leur l'attention. Respecte-les. Prince Ifedi. C'est de cette façon que tu tues, d'accord? Les gens qui sont braves, tu les tues de cette façon. Tu me comprends? Tu les tues de cette façon. Ne jamais, jamais tirer sur une personne brave. Est-ce que tu me comprends? Oui, boss. Tu me comprends, là? Jamais. Ne jamais tirer sur une personne brave. Ouais.
Rebecca. Timur. Leka. 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 Non, 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 non. Leka. Leka. Maman. Maman. Papa. Leka, 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 Leka. Grand frère. Leka. Que veux-tu arriver? Leka. Qu'est-ce qu'il y a? Grand frère, je ne sais pas. Leka. Leka. Regarde-moi. Parle-moi. Leka. Maman. Leka. Papa. Papa. Leka. Papa, papa, Leka est morte. Leka. Elle est morte. Leka. Papa. Leka. T'as pris, réveille-toi. Lève-toi. Leka. 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 Papa. Papa. Maman. Maman. Leka. Qu'est-ce qu'il y a à cette heure de la nuit? Leka. Regarde. Qui est mort? Papa. Leka. Papa. Qui est mort? Papa. Elle est morte. Leka. Elle est morte. Leka. Leka. Un instant. Réveille-toi. Leka. Leka. Nai. Qu'est-ce qu'il y a? Je te l'avais dit. Je te l'avais Qu'est-ce dit. Que tu m'as je dit? Je te l'avais dit. Hey. Leka. Leka. Hein? Leka. Maman, s'il te plaît, attends. Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Naï, je te l'avais Papa. Dit. Naï, je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Elle est vraiment morte. Dit. Elle est morte. S'il te plaît, Leka, réveille-toi. Leka. Leka, réveille-toi. 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 Hey. Leka. 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 Papa, 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 Leka. J'ai renoncé au dieu oh de nos Dieu, ancêtres. C'est pas vrai. Parce que j'ai entendu dire que tu es un dieu de justice. J'ai entendu dire que tu es un dieu juste. Le dieu qui déteste le mal. J'ai entendu ces choses et j'ai renoncé au dieu de mes ancêtres. Lève-toi et montre-toi. Si tu es un vrai dieu, lève-toi. Prouve que tu es Dieu. Montre à ce royaume que tu es le vrai et unique Dieu. Montre-moi que je n'ai pas commis une erreur en te choisissant. Montre-toi. Manifeste-toi. Oui. Nous. Nous célébrons la chute. La chute. La grande chute de nos ennemis. Onohu doit se morfondre en ce moment. En enfer. Alors nous pouvons trinquer en avance à un nouveau départ. Une nouvelle gouvernance pour cette grande famille à une lignée continuelle et à une fin pour nos ennemis. Permettez-moi de prendre cet appel. Allô? Quoi? Aise! Mère. 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 Mère, parle-moi! Maman! Qu'est-ce que c'est? Maman! Allez, je t'en prie, Maman. Arrête, réveille-toi! Maman, je t'en prie, arrête! Maman! Maman! Maman, lève-toi, vous aimez tellement rigoler. Maman. Oh.
prie, passons. Ne me tuez pas. Je veux vivre. Ne me tuez pas. Ne me tuez pas. Qui voudrait te tuer? Vous ne voyez pas? Je ne vois personne. Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai envoyé certains de mes hommes pour aller chez Ono, pour le tuer, lui et sa famille. Mais ce truc étrange. Qu'est-ce qu'il y a? Il veut me tuer, s'il te plaît. Papa, tu as fait quoi? Papa, comment tu peux? Ce n'était pas le plan initial. Ono était la cible et non sa famille. Chef. Je suis désolé. Non, chef. Non. Chef, papa, qu'est-ce qu'il y a? Chef, papa. Chef, papa. Non. Chef. Non. Allez, chef. Amenons-le à l'intérieur. Allez. C'est bon. Hey. 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 Awo. Abomination. Abomination, Onowu. Tout le monde est mort. Tout le monde est mort. Qu'est-ce qu'il y a, Ogene? Hey, Onowu. Qu'est-ce qu'il y a? Onowu. J'ai entendu dire que la princesse est devenue folle. Je suis allé au palais pour voir la reine. Et lorsque je suis arrivé, j'ai vu le cadavre de la reine et celui du roi. Sans vie, je dis bien sans vie, au palais. Onowu, je ne sais pas ce qui se passe. Onowu, je ne sais pas ce qui se passe. Et à mon retour, j'ai vu Ezewagne. La fameuse Ezewagne est morte. Morte! Et Ezewagne est morte. Son corps est encore dans la rue. C'est encore dans la rue. Et Onowu. Je veux. S'il te plaît, aide-moi. Aide-moi, Onowu. Comme si cela ne suffisait pas. Sais-tu que tous les aînés sont morts. Oh. Hey. Tu veux dire les anciens? Tous. À cause du pot de vin que nous avons pris. Je te l'ai dit. Onowu, pardon. Je t'ai averti. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Onowu, aide-moi. Ozumba est maintenant mort. Ozumba que vous connaissez est mort. Tous les membres de la famille ont fui ce village pour la capitale. Ozumba est mort. Onowu, s'il te plaît, non. Hey, Onowu, pardon. Je ne veux pas mourir, s'il te plaît. Tu ne veux pas mourir. Oui. Je ne peux pas mourir. Aide-moi. D'accord, écoute. Tu ne mourras pas. Tu dis? Parce que tu t'es repenti. Juste à temps. Ils sont morts à cause de leurs mauvaises œuvres. Hey. Ils ont refusé de changer. Hey. Ils ont continué de faire le mal et tu les as rejoints. Dieu merci, tu t'es détourné de ton fils. Hey. Dieu merci. Dieu merci, oh! Onowu. Dieu merci. Tu ne mourras pas. Merci. Amen. Hey, Dieu merci, je ne mourrai pas, oh. Lève-toi. Hey. Tu ne mourras pas. Onowu, tu vois ton Dieu. Je veux aussi l'adorer. Toute ma génération l'adorera. Nous serons là, Onowu. S'il te plaît, conduis-moi ton Dieu. Hey. Seigneur, merci. Biko. Je ne veux pas mourir. Merci. Tu ne mourras pas. Merci. Hey.
Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo_dobbing, sur notre site web www.aforevo_dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.